Yo les gens, c'est Flotty, j'espère que vous allez bien, parce que moi par rapport à ça, nickel, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Alors, c'est parti, on va faire aujourd'hui une attaque avec les boulistes, parce que j'ai oublié de former deux attaques, je devais en former deux. Bon, on va faire le test avec les boulistes, c'est parti. Alors, si ça pouvait charger, merci. Voilà, je me suis pas trompé de compte, je suis sur mon nouveau compte. Alors, je demande toujours au bouliste, mais voilà. Alors aujourd'hui, on va tester les petits boulistes. Petit screen d'abord. Voilà. Allez, les petits screens pour la petite Ninia. Hein. 900 Lego. Bon, celui-là, j'aurais pu le faire, mais c'est qu'il a double canon. J'essaye de faire des personnes qui n'ont pas le double canon parce que j'ai pas les potions de charisme. J'avais besoin de. Pour info, j'ai lancé mon sorcier niveau 6, du coup il va être niveau 6 et ça va être nickel. Ça va être nickel pour attaquer ça. Alors je vais juste tester avec vous. Perso, j'ai testé chez un ami le bouliste, je trouve qu'il est nickel chrome. Bon, perso, dès que j'ai attaqué, j'ai gagné 64% en HDV 11. Après. Je dis ça, hein, je dis rien. Mais ça pourrait vous aider. Alors, on n'en trouve pas là pour l'instant, j'ai l'impression. Sinon, je vais faire gaffe parce que j'ai pas beaucoup d'argent. Alors, si vous dites oui, mais toi, tu fais des vidéos alors que t'as un gros con. Alors que t'as un gros compte. Oui, mais moi c'est parce que j'ai. Là, ça fait plus de 3 ans et demi, 4 ans là. Ça doit faire 4 ans que je joue à Clash of Clans. Bon, vous allez me dire, oui, mais t'es que HDV10 alors qu'il n'est pas trop maxé. Oui, mais c'est normal parce que j'ai eu des périodes où j'ai pas joué. Oh non. Là, ouais, mais il y a plus d'argent. En fait, il faut en trouver un qui soit moyen moyen avec de l'argent. Oh, celui-là, il est bien aligné. Waouh! C'est la première fois que je vois un village aussi aligné. Les gars, tu vois, le gars, il a fait de la symétrie. Alors, moi, je veux mettre ça là. Enfin, je suis pas très fort en maths, alors, me demandez pas quel est le. La symétrie axiale de machin bidule chouette là. C'est le seul tu vois, c'est le seul mot que j'ai retenu de ma prof. Oh putain, oula là, ça pourrait être bon à attaquer. En fait, faudrait que j'attaque comme ça. Et c'est ce que je vais faire, allez. Regardez, Doom. Doom. Ça va faire des dégâts. Hein. Oh les boules, les boules, les boules. Ta-la-la-la. Allez, on met ça là. On met ça là, on met ça là, on met ça là. Ah oui, j'en ai fait la blinde parce que ça prend. Il n'y a pas beaucoup de place. Roulez beau, les beaux, les beaux, les beaux. Regardez, regardez.
Attendez, ça fait des dégâts. Mais par contre, c'est vrai qu'il défend ça. Hop, allez. Ah ouais, je me suis fait défense. 50%? Yes! Oh, nickel! Alors là, c'est nickel. Oh putain, ça c'est nickel. Nickel Chrome, ce que je voulais exactement que ça fasse. Amélioration de la bêta gargouille est terminée. Bah, niveau 2, pardon. Ah oui, voilà. Ça met 9 jours le sorcier niveau 6. J'aurais pu améliorer mon géant niveau 6. Ou mon barbare niveau 6. Mais bon, je l'ai pas fait. En fait, j'aurais pu améliorer aussi mon PK niveau 3. Mais je préférais le sorcier. Le sorcier, il a un meilleur skin. Alors, pour info, si vous voulez un conseil sur la gargouille, mais la gargouille du conte qui existe depuis toujours. C'est-à-dire celui où il fait toujours jour. Ah ben la gargouille, je vous la conseille déjà niveau 3 parce qu'elle a un nouveau skin. Niveau 2, ça améliore juste ses performances. Au niveau 3, ça améliore le skin de tous les trucs. Même le barbare, ça lui rajoute une petite bandelette à la tête. Niveau 3, le golem, je crois que ça rajoute des pierres. Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Des pierres genre fait en élixir. Bon, voilà. Alors, du coup, voilà, je vous ai fait votre attaque. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager cette vidéo. En même temps, faites ce que vous voulez. Je vous dis à la prochaine, les gens. Moi, je vous dis bon game et ciao tout le monde.